La jolie famille princière était réunie lors de l'édition 2023 du tournoi Sainte Dévote de rugby, organisé par la Fédération monégasque de rugby en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. L'événement s'est tenu au stade Louis II en ce samedi 22 avril. Les rumeurs de divorce entre Charlène et Albert ayant été démenties, les amoureux se retrouvent depuis assez complices, et en famille. C'est ainsi accompagnés de leurs jumeaux, Gabriella et Jacques, qu'ils se sont rendus au tournoi de rugby à 7 alors que, la veille, le prince Albert s'était rendu seul à un événement. En effet, le prince se trouvait au vernissage de l'exposition L'Éphéméré, sculpture et toile de l'artiste Kyo au palais princier de Monaco. Cette sortie familiale en ce samedi 22 avril a ainsi ravi les monégasques, et a été des plus remarquées, pour une raison bien précise. Le prince Albert et la princesse Charlène qui dansent la Macarena depuis quelque temps, la princesse Charlène a hérité d'un surnom assez désagréable, princesse Sourpousse, princesse grincheuse, suite aux rumeurs de divorce avec son époux le prince Albert. Le magazine monégasque Royauté a notamment écrit qu'elle a toujours l'air si misérable quand elle est avec lui. Des propos que la princesse a balayés d'un revers de la main ce samedi, à Monaco. Le couple a tout d'abord décidé d'assortir ses tenues. Un choix symbolique qui prouve qu'ils sont sur la même longueur d'onde, et surtout, plus unis que jamais. En plus de leur looks, la princesse Charlène et le prince Albert ont laissé place à la sympathie et au naturel lors du tournoi. En effet, les amoureux ont cloué le bec à ceux qui les ont critiqués récemment en se lâchant totalement. Et d'une façon des plus inédites, en dansant devant tout le monde la Macarena avec l'équipe des Équatoriens. La princesse a ri aux éclats devant son époux qui se déhanchait au son de la célèbre musique espagnole. Une musique très souvent jouée dans les clubs de vacances ou dans les bars. En bref, ce fut un beau moment de complicité entre le prince et sa princesse, qui a de quoi faire définitivement taire les rumeurs de divorce. Time's up.